L'entreprise, elle existe depuis 1905. Elle est connue et reconnue sur un certain nombre de compétences particulières, notamment sur l'aspect génie climatique. On est cherché et convoité pour nos compétences techniques, pour nos capacités en fait à gérer des gros projets, de grosses installations dans le domaine du tertiaire, dans le domaine de l'industrie. On a une vraie expertise sur des systèmes complexes de distribution d'énergie et de sécurisation. Sur l'activité travaux publics, on a des équipements particuliers, une excavatrice notamment, qu'on est peu nombreux à avoir sur la région. J'ai engagé l'entreprise en fait dans un processus de réorganisation avec certains recrutements dans l'entreprise, avec une direction commerciale qui a une vocation à représenter l'entreprise et à permettre de la synergie entre nos différents métiers. Une direction technique et innovation qui regroupe l'ensemble de nos bureaux d'études et de nos compétences en automatisme. Et ensuite, une direction travaux qui regroupe en fait l'ensemble de nos forces qui sont sur le terrain, là aussi, quel que soit leur métier, à mettre à la disposition de toutes nos équipes sur le terrain les meilleurs processus possibles en termes d'anticipation, en termes de réalisation et en termes de productivité pure pour que globalement l'entreprise soit plus efficiente. Dans l'histoire de l'entreprise, on était beaucoup plus orienté sur des marchés publics. Je souhaite qu'on revienne un peu plus sur des marchés privés. L'aspect industriel est important pour nous, en vrai complément de la commande publique. Ici, on a été appelé pour une fuite d'eau. On a fait venir une personne qui a écouté la fuite dans le sol pour savoir exactement où elle est. Avec le choc thermique, du coup, les canalisations cassent plus facilement, les anciennes. Rien que cette semaine, on doit être à une vingtaine de cassures. Après, on a des équipes d'astreinte qui s'occupent de ça. L'astreinte, c'est 24 heures sur 24. On est trois. Il y a un conducteur d'engin, un chauffeur de camion et un fontainier. On essaye de toujours avoir une solution. Après, oui, il y a des fois, c'est compliqué. Il peut y avoir des réseaux qui ne sont pas forcément sur les plans ou pas comme il faut sur les plans. C'est pour ça que cette machine est importante, parce que du coup, elle permet normalement de rien casser. On part jamais sans que l'eau soit remise. Nous sommes ici sur un chantier de Limoges, 2000 m² de plancher. On y établit donc chauffage, ventilation pour notre partie, avec réalisation de panneaux solaires, d'une chaufferie et la ventilation pour chauffage et reprise d'air au niveau des pièces. Deux personnes titulaires et ensuite deux intérimaires en ventilation. C'est arrivé derrière une personne qui est partie, donc qui a laissé le chantier en cours, de se remettre dedans. Il faut s'adapter avec les contraintes des personnes qui ne sont pas là. C'est mon premier gros chantier, entre guillemets. Je viens plus du particulier, donc c'est très bien d'avoir du chantier comme ça. Ce chantier, donc c'est la mise en valeur de l'hôtel de ville de la mairie de Limoges. On a répondu sur un dossier d'appel d'offres sur un marché public. C'est un éclairage permanent qui leur sert toute l'année. C'est un système d'éclairage intelligent qui permet aussi, pour des événements spécifiques, des mises en valeur avec de la couleur, des scénarios, allumer des fenêtres individuellement, allumer la toiture. L'avantage d'avoir notre atelier de câblage ici, c'est qu'on a pu faire notre propre câblage et faire nos essais dans notre atelier. Le but du jeu, c'était qu'on voit le moins possible l'installation, mais qu'elle soit le plus fonctionnelle et le plus efficace possible. Pour nous, c'était une première. On avait déjà fait des mises en valeur, mais pas à ce stade-là. Ça nous permet aussi, pour nous faire une référence. C'est potentiellement ce qui peut nous permettre de répondre sur d'autres dossiers et nous donner une crédibilité sur d'autres réalisations. Moi, le modèle coopératif m'a fait rêver. J'étais dans une structure où les actionnaires étaient partout dans le monde. Je me disais que travailler pour moi et pour les gens que j'allais croiser toute la journée autour de moi, ça avait vraiment des valeurs particulières. Le salut d'une entreprise comme la nôtre, il passe par là, et uniquement par là, par la mobilisation de chacun. Je ne suis pas propriétaire de l'entreprise, j'ai des responsabilités dans cette entreprise, mais elle appartient d'abord à tous les gens qui la composent et de manière totalement uniforme. Et ça, c'est extrêmement important que tout le monde dans l'entreprise en soit parfaitement conscient. Ce qu'il y a de bien en tant qu'une SCOP, c'est qu'on a un droit de vote. Il y a quand même des personnes au-dessus de nous qui décident, mais on a quand même un vote et je trouve ça important dans une entreprise de pouvoir donner son avis. On peut aller voir plus facilement les dirigeants, on peut avoir peut-être plus d'écoute. Voilà, c'est cet aspect aussi humain qui est un petit peu différent. Au sein d'une société coopérative, on se serre un peu plus les coudes sur les moments qui sont des fois peut-être un peu plus difficiles que d'autres.